Raconter quelque chose de magique dans un moment privilégié entre voix du narrateur et oreille attentive à base de « Il était une fois », c'est cela que le jeu vidéo reprend au conte et au mythe, toujours pour renforcer le lien au joueur. Le conte permet de développer le magique nécessaire au jeu déjà évoqué, le mythe crée du sacré, solennel, puissant, plus grand que nous. Dans les deux cas, on transporte le joueur hors de la réalité à l'aide de croyances, folklore, contes traditionnels, récits héroïques brutales, romans ou mythes fondateurs par exemple. Petite précision, comme c'est un long sujet, j'ai coupé la poire, il y a donc deux vidéos qui se suivent sur ce thème, avec entracte si besoin. Voilà, c'est dit, je reviens au sujet. On peut évoquer le conte dès le titre. Tales of, Bard's Tale, Fable, Quête, Odyssée, Monogatari, Daiboken, Densetsu, Legend of Zelda, Kirandia, Galahad, Thor, Saga, tout cela tient déjà du mythe arthurien ou nordique. Entre parenthèses, la légende de Thor a une assez belle introduction. Écran noir s'ouvrant en vue subjective d'un coffre, passage sur notre monde où le héros nous voit en miroir, saisit un brassard magique, joueur symbolique, on prête nos mains au héros via l'artefact, on referme le passage entre mer, terre et tempête, île et lieu de rencontre entre joueurs et personnages noyés, le héros né de l'océan atterrit et hop, c'est interactif. Un prince blond nommé Ali, comme Baba ou comme l'Aladin Disney fraîchement sorti, bon roi, mille et une nuits à la moulinette, pouvoir magique, djinn, ondine, folklore celte et oriental, bref, c'est une affaire qui roule, fin de parenthèse. Pour évoquer le conte, on peut aussi simuler au départ la présence d'un conteur dont le récit constituera le jeu entier dans Longest Journey, Princess Crown, Radical Dreamer, ou bien rejouer un récit connu en adaptant Suikoden à partir du récit des berges chinois, Le Prince et le Pauvre de Mark Twain, ou Alice et ses nombreuses versions en jeu comme en film. Ça peut être plus voilé avec Wonder Project G par exemple, pour Pinocchio, ou Rockman, entre Cobra et Astro Boy, qui part lui aussi de Pinocchio. Ou bien encore, on peut amorcer le conte par le détail, avec les plantes grimpantes de Jack et le haricot magique, les champignons alicéens de Mario, ou la Belle au bois dormant de Panzer Dragoon Saga, Enemy Zero, que rejoue assez vite le cliché japonais de la femme arme ultime. Belle au bois dormant encore dans Shadow of the Colossus, qu'un héros fera tout pour ramener à la vie, mais on peut aussi y voir une variation sur le conte Isun Boshi, serviteur minuscule d'une femme qui affronte des ennemis géants et qui perce leurs points faibles grâce à sa petite taille. Dans Dioprisme, annoncé dès le départ comme un conte, maison en forêt et fiancée métamorphique font une douce variation de La Belle et la Bête. Le récit de l'héroïne ressemble de son côté à celui de la Cité 10 engloutie par les flots, dont la série Is de Falcom tire d'ailleurs son nom. Le bon roi veuf et ses deux filles, aînée gentille et belle, cadette orgueilleuse et magie apprise du roi des dragons, orgueil qui perd la ville façon Pandore, Dioprisme ressemble assez à tout cela. Ici c'est l'inverse, l'aînée est une peste et la cadette raisonnable, mais c'est la même base. Les deux scénarios sont deux contes de types différents, mais rien n'est laissé au hasard comme souvent dans le jeu japonais. La mise en scène est par exemple identique dans les deux cas. Traversée subjective vers l'âtre chaleureux où l'enfant se nourrit, heureux, la caméra tourne autour de la table cerclant le héros, assouvissement des envies sans entrave jusqu'à l'élément modificateur brutal, la cassure, la destitution ou bien le deuil. Dans les deux cas, le conte a ici sa fonction courante de tremplin vers l'âge adulte. De même, Secret of Mana s'ouvre par un jeu d'enfant, une épée dans l'eau, voix magique et récit arthurien où la Dame du Lac arme le futur roi. Apparemment, ça devait d'abord s'appeler Seiken Densetsu The Emergence of Excalibur. Bref, l'épée magique marche encore et toujours. Si le jeu reproduit le mythe, c'est peut-être parce que celui-ci explique vite et magiquement un contexte, un monde et son origine, souvent de façon excitante. Noir puis lumière, femme nue, serpent et péché originel, déluge, arche ventrale fécond, mer rouge écartée à grands coups de bâton vers terre promise fertile, etc. Symbolisme sexuel et natal vu précédemment, que contes et mythes peuvent aussi évoquer, mais la sphère ou le rubis flottant, le cristal pur à protéger, innocence ou virginité, boule de feu comme âme ou expression intime, tout cela, c'est surtout magique. Et c'est encore la boule d'or, doublement parfaite, que perd la princesse dans le conte du prince grenouille. Boule d'or qui fait peut-être déjà écho à la bulle d'or étrusque ou romaine, la boula, que les garçons portent jusqu'à l'âge adulte et la prise d'armes, que les jeunes filles abandonnent à leur mariage, et je crois que la surabondance en jeux vidéo de ces boules ou cristaux presque toujours magiques s'explique aussi par cet héritage du gris-gris protecteur, du folklore et du conte de fées.
Le jeu emprunte peut-être aussi au conte parce qu'il a vite la même fonction de normalisateur social. Ta vie est nulle, mais tout finira par s'arranger magiquement. Ravale ta colère et obéis au père, au mari imposé de la Belle et la Bête, du prince Grenouille, à la marâtre de Cendrillon. Accepte une femme muette ou laide, princesse des cygnes, petite sirène, princesse grenouille, épouse imposée et mutique, et dans toute cette souffrance, souvent le travail sauve le héros ou l'héroïne, les corvées sont repayées, bonheur stakhanoviste, promesse implicite pour nos esprits englués au happy end, sauf quand le conteur a lui-même conscience de ce qu'il raconte. Ils vont travailler, que voulez-vous qu'il leur arrive de mieux ? Le conte japonais est plus enclin au dénouement noir. Yuki Onna, Kaguya Hime, la femme grue, tous aussi crus qu'un chaperon rouge sans lissage. La Cendrillon illustrée par Amano reste princesse au 12e coup de minuit, et c'est le prince qui révélera son vrai visage. En somme, comme avec les yokai, le conte prévient d'un monde cruel, et le RPG répète tout cela. Désobéissance de façade du héros immature, puis travail et récompense carotte, bats-toi, sois belle et tais-toi pour gagner plus, et tout rentre dans l'ordre. Happy end immobiliste par excellence, mensonge social que le jeu vidéo rejoue notamment, en répétition de tâches ingrates d'usine, vers un sort supposé meilleur. L'XP et les statistiques à gonfler par exemple, même si on peut aimer ça, ressemblent assez au labeur imposé par la marâtre, accomplissement, abnégation, sacrifice, même ficelle, bref, quand on parle de farming, il faut voir le bétail. Le revers réactionnaire du jeu d'aventure ou du film-spectacle, c'est à grand renfort de quête initiatique, d'accepter le monde, s'accepter soi-même, devenir garant de l'ordre établi, remettre le roi sur le trône, retour à un âge idyllique rétrograde, normes et idéal prescrits rarement révolutionnaires et plutôt vieux jeu. Cette fonction normative, c'est la morale du conte traditionnel, que le jeu rejoue même en dehors de la narration. Par exemple, à travers le principe de ne pas se retourner tel Orphée aux Enfers pour Don't Look Back, ou de l'éternel ennemi à tuer qui nous laisse de l'argent, que le joueur, tueur, voleur, militaire obéissant, empressé, amasse. Dans le conte, ça serait par exemple le personnage de Cago Luidor, que l'on frappe pour récupérer des pièces, qu'il chie, comme son nom l'indique, diable battu par l'intelligence du paysan, qui comble ce consommateur soumis à l'envie, donc diable victorieux. Mécaniquement, le jeu est souvent lui aussi faustien à sa façon, irrésistible, comme la maison de pain d'épices, le village d'abondance sucré pour séduire l'enfant de Zul, World of Illusion, Baten Kaitos, quand le jeu vidéo racole et répète cette fameuse ruse des méchants de contes de fées. Le jeu Alice in Wonder Dream, hybridé d'Ansel et Gretel, pose par exemple ses boss dans une maison en chocolat et sucre d'orge Louis Vuitton, où l'on affronte notamment un futur sac à main. Luxe et mode, contrefaçon moderne des contes de princesses, croyances aussi illusoires qu'auparavant, bref, je reviens aux façons d'injecter quelque chose du conte dans un jeu. Lost Odyssey s'ouvre sur une bataille épique puis intègre des contes, souvenirs ponctuels en balance à l'amnésie généralisée des personnages, Toriko part d'une rose à un pétale traversant la ville pour finir écrasé, sentiment perdu dans l'ensemble brumeux pour finir encore sur le détail, parce que c'est bien le sort des personnages et du pétale de rose qui nous intéresse. On passe de la vie à la mort, fleur parfaite et fanée tournant magiquement sur fond noir jusqu'au drame, ça donne un ton romantique et ça plante le décor. La rose est une femme symbolique, comme dans la chanson Blanche comme la neige ou Trois jeunes tambours, rose virginale, procédé romantique pour un jeu qui tient sur la légende d'une cité magique à laquelle on croit, bref un véritable conte aux objets utilisés de façon surréaliste ou magique, comme dans un point and click. Côté folklore à demi-mot encore, Nocturnal Illusion part d'un voyageur égaré et d'une femme salvatrice, ange ou démon comme Yuki Onna, dame des neiges ici gentille, hentai oblige, bref, on a recours à ces outils un peu partout. Croyances et contes sont une vraie source de bestiaire par exemple. Tanuki de Keio Flying Squadron 2, loup-garou d'Altered Beast, Wendigo d'Until Dawn, boss découpé en plusieurs phases telle la Gear Carlin, sorcière assassine qui acculée devient dragon, la créature fantastique me paraît un bon outil de plongée brute dans le magique, avec boss et survie du héros par exemple. Les anges sont d'ailleurs assez courants en début de jeu. Dans Baten Kaitos, on rentre notre nom et une aile mécanique pousse au dos du héros angélique. La part mécanique qui le guide, c'est-à-dire le joueur, est reconnue, asexuée et pure comme le joueur encore vierge de l'univers du jeu. Cette figure de l'ange rapportée au joueur est évidemment aussi flatteuse, voire solennelle. Dans Langrisseur 3, la déesse de la lumière, auréolée,
nous demande d'ouvrir les yeux et nous interroge. Dans le quatrième opus, notre sœur trouve un livre divinatoire au grenier puis interroge le joueur, tirage de cartes en règle, bien avant le psy de Shattered Memories. Dans le cinquième, fille court vêtue de Urushiara toujours, boule de lumière tirée dans un canyon, baiser sulfureux sous un arbre géant veineux vénérable, puis interrogatoire par une femme encore. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le livre du quatrième opus qui croise contes, légendes et destinées par tarot, divination que le diseur de bonne aventure sert à mettre en évidence en début de jeu. Le premier village de Baten Kaitos, par exemple, a son bonimenteur, mais également ses livres. Pléthore de jeux présente assez tôt un livre ou plusieurs pour marquer la filiation du conte, roman, et comme mise en abîme, nouvelle strate, à l'instar du flashback, rêve, monde parallèle, le livre facilite l'effet de récit emboîté, favorisant l'enfoncement du joueur, et touche souvent au sacré ou à l'ancestral. La structure du RPG ou point and click à base de quêtes et de sous-quêtes, reliques, litanie d'items, ennemis et récits emboîtés pour allonger le corps du jeu, résonne de la théogonie, mille et une nuits, ou encore buddy movie à la Jacques le fataliste, tout emboîté. Le JRPG s'est créé un mythe métissé nippono-pagano-judéo-chrétien-technoïde, frappé de Tolkien, et par motif récurrent, on peut en déduire quelques formes entre mythe fondateur, titan ou démon originel et conte japonais. L'introduction de Soleil est un bon exemple de pot-pourri. Grotte noire des origines et du dungeon crawler, animaux sauvages qui tout à coup se frottent au monde humain, en général là-dessus se greffe un drame global qui se répercute à l'échelle locale, colère divine type déluge ou évocation de la Genèse à base de lumière originelle, on trouve assez facilement aussi un grand sorcier méchant encapé aux yeux rouges dans le noir, tyran destructeur, et donc surtout souvent un grand cataclysme fondateur, préalable récurrent d'un 20e siècle japonais plusieurs fois ébranlé. Village brûlé comme dans le film Conan le Barbare, relançant le Sword and Sorcery, qui s'inspire lui-même de l'Odyssée, du mythe arthurien et des sagas nordiques, qui relève de l'épopée fantastique entre Tolkien et Guerre du Feu, et dont animation et jeux vidéo nippons ne seront pas les derniers à se servir. Conan, c'est aussi déjà la position d'une certaine idée de la mentalité américaine moderne ou fondatrice dans un monde imaginaire. Idéal du self-made man qui finit roi ou gouverneur, culture du dépassement et du plus fort, Conan qui reste seul à tourner la roue, qui gagne sa liberté en tuant les autres esclaves, Stakhanov encore, qui croit dur comme fer au métal. À ceci, tu dois te fier. Et on peut noter aussi que c'est pas très flower power. Ils lui dirent de jeter son épée et de retourner à la terre. Il est toujours assez tôt d'y retourner, dans la tombe. Final Fantasy VIII et ses gentils militaires faisant la morale aux pacifistes lâches et allant se battre contre une vilaine sorcière, ça n'est pas si loin au fond. Mais je m'égare encore, revenons-en au village en flammes à petite échelle, qui crée un lien fort, menant au héros adolescent orphelin vénérant un père absent, héros solitaire en proie aux doutes et tête brûlée, avec épée du padré ou objet millénaire magique qui nous choisit, héros élu shonen heureux bêta et en crise identitaire pour plaire à tout joueur, enrôlé dans un conflit qui le dépasse, embroglio politico-militaire dont il devient clé de voûte face à l'armée des ténèbres du grand méchant, qui lui met sur le dos le meurtre du bon roi par exemple, déshonneur, traque, etc., le fugitif et ses amis de route endurent tout jusqu'à la victoire et leur rétablissement en bonne grâce, héros pauvres qui côtoient les puissants, paysans ou bardes vers l'exode rural d'Infinite Undiscovery par exemple, c'est aussi souvent la course à qui trouvera l'arme ultime en premier, avec méchant conseiller et gentil souverain, là aussi c'est une idée du Japon, où la censure en dessin animé par exemple coince sur la pilosité sexuelle et l'évocation de l'empereur, Hirohito en filigrane, que les accords entre MacArthur et Japon ont protégé d'indignité, dégagé de toute responsabilité dans la guerre, bref, l'empereur reste tabou, et ce sont souvent ses seconds qui sont responsables des problèmes du monde. À côté des bons et bonnes déesses lumière type Lucilis de Langrisseur 3, qui nous demande d'ouvrir gentiment les yeux, ou des rois lumière encore qu'on appellera Lux, Lucien, etc., roi soleil, vénérable régent, il y a bien sûr aussi plein de rois, empires et empereurs méchants, de même que parfois le conte japonais finit bien et la fable occidentale mal. On ne peut pas tout généraliser, mais on peut chercher quel empire symbolique est invoqué. L'empire imaginaire de Suikoden par exemple est mauvais, mais le jeu est inspiré d'un conte chinois, donc l'empire est sans doute plus chinois que nippon, et ça passe sûrement déjà mieux par exemple, que critiquer un empire à tonalité japonaise. De là à imaginer que Koei Tecmo ou Konami entre autres utilisent l'histoire ou le conte chinois et l'héroïque fantasy occidentale comme filtre pour parler du Japon, moderne ou passé,
À l'instar de Figaro l'Espagnol qui parle au fond du roi de France, il y a un pas que je ne franchirai pas, faute de recherche et de réflexion sur le sujet, quoique l'idée soit titillante. Bref, j'en reviens au récit canon d'un RPG lambda. Dans cette course au nucléaire, on part d'une civilisation autodétruite, vers la destruction du présent, que le héros veut empêcher, refusant que l'histoire se répète tout en la répétant, pas révolutionnaire donc, mais partisan du « c'était mieux avant », refusant la guerre en la faisant tout au long du jeu. Souvent, le héros impuissant devant le nouveau massacre d'un village traversera une crise existentielle, mais trouvera consolation auprès de l'héroïne et parviendra à sauver le monde. Quand il s'abandonne au penchant suicidaire, à la détestation du monde, la bonté et la patience d'une femme au foyer dévouée à son mari travailleur le sauvent. La femme est là pour prier et l'homme agir, semble dire divers jeux à gentille soigneuse ou princesse en détresse, décisive mais secondaire, solution en RPG, moteur en western lyrique, les femmes comme clé de voûte sociale restent souvent dépréciées dans nombre de jeux d'aventure. Au final, la catastrophe mondiale est stoppée, on sauve le pays et on recrée la grandeur nationale. La Seconde Guerre mondiale, comme traumatisme ou faille narcissique, hante le jeu et la création japonaise. En RPG aussi, le conte explique l'incompréhensible nucléaire qui a meurtri le pays. Fonction cathartique, idéalisée et directive, il s'agit de supporter le poids du passé, défaite puis rétablissement économique au prix du sacrifice générationnel, et le poids du quotidien nippon compétitif martelant l'exigence et la réussite, conjurant la solitude sociale et l'élan au suicide à coup d'exotisme fort en symbole, grand méchant dans son château qui veut régner ou détruire en réveillant l'arme ultime d'une civilisation babélienne, fin du monde et hypermythe semblant décentrer l'aventure, petit corpus d'éléments agencés librement sur lesquels on échafaude une structure, une héristique, une idée du Japon post-atomique, melting pot mythologique comme définition du pays, répandue en animation et jeux vidéo via Nausicaa et Macross, entre autres. D'ailleurs, le conte au Japon passe aussi par le studio Ghibli. Folklore nippon de Takahata ou plus occidental de Miyazaki, conte de Laputa et ses îles flottantes qu'il popularise et qui porte également en jeu vidéo. Porco Rosso comme variation sur Ulysse ou dans l'Adriatique, un pilote transformé en cochon fuit une guerre épouvantable et vole autour de sa Pénélope sans jamais la rejoindre. Miyazaki aussi a de l'influence sur le jeu vidéo et à travers lui c'est notamment l'Odyssée qui glisse, dès le titre pour Nausicaa, encore une fois tout en restant nippon, à l'instar du JRPG d'apparence très européen qui glisse vite un ninja ou un katana ici et là par exemple. Bref, tout ce qu'on vient de voir n'est qu'un aperçu des composantes du mythe générique de RPG, auquel chaque jeu ajoute son adjectif. Western pour Wild Arms, science-fiction exotique pour Star Ocean, steampunk pour Resonance of Fate, insulaire dans Chrono Cross, post-apocalyptique pour Panzer Dragoon Saga, toujours dans un esprit Casablanca où individu et national se confondent pour mieux affronter la fin du monde, où le destin d'un héros messie est lié à l'univers. Mais comme on vient de le voir, tout ça ne répète pas seulement une idée du récit national ou du sauveur suprême, le RPG connaît ses classiques et rejoue aussi vite l'Odyssée, l'aventure par excellence, héros, roi ou berger, guerre de Troie abominable, fuite et voyage magique avec ses camarades puis retour heureux à Ithaque, promesse et tentation de la vie éternelle puis retour apaisé à la banale vie de roi, conclusion de RPG souvent abaissé au rêve petit bourgeois, faut pas pousser, le survival horror n'est lui-même pas en reste, James de Silent Hill 2 et son miroir qui le jauge et se juge, tel Narcisse ou Blanche-Neige, monde au reflet fou alicéen dans lequel il se perd, et préambule génial si le jeu est une vue de l'esprit où presque tout se passe dans sa tête. Orphée cherchant Marie aux enfers ou James revenu à Ithaque, cherchant Pénélope dans les vapeurs encore de Calypso ou Circé, ici Maria, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa femme, le film hollywoodien de 1954 et sa Circé jumelle de Pénélope ne s'y étaient déjà pas trompés. Same proud face. Same dark eyes, Penelope. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Tout cela jusqu'au chien fidèle, le seul à reconnaître Ulysse et à comprendre ce qui se passe ici à travers la Dog End, fin comique du jeu. La langue repasse d'ailleurs en japonais, la vraie langue des développeurs pour ce petit segment à base de chiens japonais aussi. Shiba Inu gentil et fidèle pour Ulysse de banlieue. Quête à la Sisyphe aux invincibles Minotaures à tête d'acier et mort de Maria multiple, effet de répétition du conte reposant sur la némésis de la défunte Marie
achevée en métamorphose monstrueuse, comme nombre de contes nippons où le fantôme se venge d'une mort injuste et devient animal géant par exemple. Bref, contes et mythes résonnent fortement, mais là on sort du cadre de l'ouverture. En quête de grandiose, le jeu d'aventure peut annoncer de suite la couleur d'une mythologie grandiloquente. Solennité du pouvoir, épinal rural où il fait bon vivre, ou encore tonalité existentielle à base de cosmos, passé millénaire occulte ou divin, et pour ce faire, l'outil le plus évident est peut-être effectivement, comme on l'a vu, le livre. Bible, fresque antique d'Alicia Dragoon, Journey, ou entre les deux, illustrations anciennes animées de Baten Kaitos. Je vais m'attarder là-dessus parce que l'ouverture par le livre, en plongeant dans le livre même, est un sommet de l'appel du rêve et de l'aventure. C'est Nanatsu Kaze, Myst, Iblar. C'est le journal de notre grand-père trouvé dans un placard de Radical Dreamer. Celui du grenier de Langrisseur 4 ou Amertis. Lieu des souvenirs, des jeux d'enfants ou des angoisses. Journaux tous trouvés par une femme. C'est le bruit des feuilles qui tournent entre chaque scène dans Pox Friend de l'artiste Anamushi. C'est aussi le livre Dans la nuit sur un vieux bureau de Chronocross, Baten Kaitos, Wild Arms ou Folklore par exemple, qui ouvre la porte d'un autre monde. L'ouverture théâtrale de Final Fantasy IX, Parasite Eve ou Nomad Soul et son Deus Ex Machina spatio-temporel, comme l'introduction sur le livre, sont peut-être une évolution du texte défilant, notamment de légende en début de jeu. Prophétie, cristal sacré, etc., qui, à l'instar du flashback, racontera une époque perdue. Le fameux « Il était une fois » créant un monde magique et lointain, qui renforce aussi l'envie de jouer. Bref, beaucoup d'effets dramatiques à petits frais si le joueur ne zappe pas. Aujourd'hui, avec voix off et cinématique, ce n'est plus tellement économique, mais ça donne toujours vite du volume au monde. Ellipse pratique, narrateur omniscient, dieu, cataclysme, roi, amnésie, ruine et démon millénaire, au réveil simultané à celui d'un héros au long sommeil revenu parmi les vivants, etc., etc., l'ouverture livresque rend tout ce bazar cliché d'éléments modificateurs brutaux plus acceptable, je pense. Présenté comme conte ou mythe, on l'accepte comme réalité du jeu. Le conte interactif L'île aux sept vents commence sur un livre, puis une maison nous enferme et nous évalue. On doit dire son propre nom à la porte pour qu'elle nous ouvre. Dans le conte, nommer le monstre, c'est souvent le vaincre. En jeu vidéo, donner un nom au héros crée du lien. On entre dans le récit, on laisse une trace. Ici, si on ne parle pas assez japonais, on bloque. C'est aussi une sorte de shibboleth pour circonscrire un public en âge de piger les énigmes. Le livre qui contient le monde du jeu existe également dans le jeu lui-même, et c'est dans ce livre, dans le livre, que l'on trouve le nom de la porte qu'il faut pouvoir lire et écrire pour avancer. Bref, comme dans Amertis, le livre est à la fois le monde magique et la clé de voûte du jeu. Avec l'évolution technologique, on s'éloigne souvent du livre pour se rapprocher du cinéma. C'est palpable en RPG par exemple. Passant de pavés de texte avec quelques vignettes, bref du livre illustré, à des scènes d'émotion illisibles sur des personnages trop petits, à une 3D pas trop claire non plus une fois passée l'introduction animée, jusqu'à la mise en scène moderne en 3D temps réel. Pourtant, l'influence du conte persiste bien, entre effet shonen et Hollywood, Nihar et son livre d'intro m'en sont témoins. Pour le panache, on pourra même commencer par une citation littéraire, inventée ou pas, une vérité dans Silent Hill, Vagrant Story, Tormentum ou encore Heartland. Enfin, à l'occasion, de même qu'on peut appeler un jeu Kudelka en hommage à un photographe, on peut appeler un jeu Akagawa Jiro ou Rampo, en hommage, référence à un auteur, ou en cas d'adaptation de celui-ci, le lien au livre, sa tutelle presque, devient alors évident. Le livre est le support du sacré par excellence, et les jeux voulant se créer une mythologie s'en servent très tôt sur le mode prophétique ou à base de divinité, facilité d'écriture donc, pour situer l'origine, rarement scientifique en jeu vidéo, d'un monde vieux et dense, avec une figure d'autorité. Malédiction et pacte avec un être divin dans Shadow of the Colossus. Échange de corps entre l'âme d'une gentille princesse guerrière et d'un démon dans Oboro Muramasa, Baten Kaitos, Panzer Dragoon Saga ou Shining the Holy Ark vont encore plus loin, avec leur lueur céleste qui ensemence le sol ou l'homme, façon mythe fondateur. Le corps est déjà là, pas de glaise prométhéenne ou biblique, mais de la chair vide qu'une lumière envahit. Remplissage et échange fonctionnent bien en ouverture, avec dépouillement préalable du corps et effet solennel ou magique. La création d'un corps, même avatar ou robotique, a vite quelque chose de sacré. Machinarium, par exemple, confond poupée et créationnisme flatteur pour joueur-dieu,
qui rend la vie au héros par simple assemblage d'un personnage déjà écrit. Du côté des effets très immersifs, à l'instar du livre, il y a bien sûr aussi le masque, qui, au-delà de l'intérêt du transfert de rôle vu auparavant, connote une valeur magique, totémique, et évoque une lointaine fonction rituelle. Enfin, côté force supérieure qui ouvre le bal, j'ai déjà parlé d'astre, soleil et surtout lune dans le jeu japonais, souvent associé au féminin, Iru, Xenogears, Wild Arms, Langrisser 3, Legend of Dragoon. Pouvoir de la lune et romance impossible, c'est encore la porte ouverte aux mauvais sorciers et surtout sorcières qui font un grand méchant toujours efficace, ou à l'occasion une héroïne alchimiste sympatouille avec la série des Ateliers, Atelier Marie par exemple. Je ne m'étale pas plus, cette première partie du sujet conte, croyances, mythes et magie dans les ouvertures de jeu s'arrête là, mais la suite arrive juste derrière.